quelque chose avec papa. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Oh mon Dieu, il y a tellement de maquillage éparpillé sur le sol. Oh, salut maman. J'étais juste en train de maquiller papa. Regarde. Tada! Oh non, qu'est-il arrivé au visage de papa? Papa est si beau, n'est-ce pas, maman? Oh là là, pourquoi papa est tout attaché? Anna est occupée à se maquiller. Oh, salut, Lucas! Qu'est-ce que t'as trouvé? Un rouge à lèvres? Tu veux l'essayer? Ça sent mauvais! Est-ce que j'ai bien copié son maquillage? Anna est trop occupée pour remarquer Lucas avec son rouge à lèvres. Eh bien, il ferait mieux de retourner à sa voiture miniature, alors. Ok, il est temps pour Anna d'utiliser le... Non! Mon rouge à lèvres! Il est cassé! Lucas! Oh, viens ici, espèce de petite peste! Oh oh, quelqu'un a des ennuis! Cours, Lucas! Viens ici! Oh. Maman! Regarde ce que Lucas a fait à mon rouge à lèvres! Il l'a cassé! Oh, Anna, ce n'est pas un problème! Tu peux utiliser ce stick à lèvres à la place! Tu vois? C'est tout bon! Mais j'ai besoin d'un rouge à lèvres de couleur, maman! Je veux faire ses lèvres! Oh! Attends. Laisse-moi voir cette palette d'ombre à paupières. Hein? Elle a besoin d'un rouge à lèvres de couleur, maman, pas d'une ombre à paupières. Oh, maman utilise l'ombre à paupières pour faire un rouge à lèvres. C'est tellement pratique. Est-ce que ça va marcher? Oh, oui, Anna va avoir le rouge à lèvres rose qu'elle veut. Wow, j'ai enfin le rouge à lèvres. Merci, maman. De rien, Anna. Va t'amuser. Au revoir, maman. Mais attends, il y a d'autres couleurs à choisir. On dirait que maman veut essayer le bleu. Voyons voir. Oups, c'est très lumineux, maman. Hein? Pourquoi Anna a-t-elle l'air suspecte? Elle se couvre le visage. On dirait qu'elle cache quelque chose. Wow! Anna a un piercing au nez! C'est de l'or! Ah! C'est quoi ça? Oh mon Dieu, tu m'as fait peur! Je crois que Lucas en veut un aussi. Mais il est trop jeune pour ça. Oh non, on dirait que Lucas va crier! Oups! Ne crie pas, Lucas! Il ne faut pas réveiller maman! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un trombone? Je vois qu'Anna a une idée! Viens par ici, Lucas! Oh, c'est une pince! On dirait que Anna l'utilise pour détacher le trombone! Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Oh, elle l'a coupé en deux! Oh, je sais! Elle plie les extrémités pour que ça ressemble à un anneau! Est-ce que ça a marché? Mettons-le sur Lucas. Waouh, c'était une idée de génie, Anna. Lucas n'a pas seulement un, mais trois anneaux. Il ressemble à une rockstar. Et si on faisait un selfie? Ouais, super pose, Lucas. Oh non, maman arrive. Tu ferais mieux de les enlever, vite. Le tien aussi, Anna. Salut les enfants, qu'est-ce que vous faites? Salut maman. On était juste en train de se rapprocher, de jouer ensemble. C'est mignon. Ok, je vous dérange pas. Bisous. Waouh, maman et Lucas ont fait beaucoup de shopping. Oups, il y a un homme qui arrive. Waouh, il a des super tatouages. J'en veux aussi. Ah ouais, tu aimes? Ils sont magnifiques, pas vrai? Je vais en faire d'autres. Plus de tatouages? Comment pourrait-il en mettre plus sur son bras? Maman est tellement occupée avec son téléphone qu'elle ne voit pas. Maman! Je veux des tatouages comme lui. Il est allé là-bas. Un salon? Allez, maman! Quoi? Mais pas question, Lucas! Tu es trop jeune pour un tatouage! Joue juste avec ton livre de coloriage. Tu as tellement de crayons, tu vois? J'en veux pas! Je veux un tatouage! Qu'est-ce qui va pas? Regarde ce Spider-Man! Tu veux un tatouage, hein? Oh, pourquoi maman découpe-t-elle l'image de Spider-Man? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? J'ai trouvé maintenant, tu peux l'asperger d'eau de Cologne. Juste un peu, et ensuite tu le trempes dans l'eau. Oh non, mais c'est tout mouillé! Ensuite, on le pose sur la peau et on appuie doucement pour transférer l'encre. Décollons-le! Waouh! Maintenant, Lucas a un tatouage de Spider-Man! C'est incroyable, maman! Hé, tu t'es fait un tatouage! Je suis jaloux, moi aussi je veux ce dessin! Vraiment? Tu mérites un gros câlin, maman! Merci! Je t'en prie, Lucas! Maman, regarde ce qui est arrivé à mon visage! J'ai des taches de rousseur sur les joues! Ma sœur est laide! Ne te moque pas de ta sœur, Lucas! C'est pas bien! Oh, ma pauvre fille! Ne t'inquiète pas, tu es toujours aussi belle, ma chérie! Je sais ce qu'il faut faire! Laisse-moi prendre une photo de toi! Tu vois?
Tu es jolie. Oh, Layla est heureuse. À quoi ressemble la photo? Waouh, je suis très belle sur cette photo. On en prend une autre? D'accord. 1, 2, souris. Maman et Layla sont très jolies. Oh, quel beau sourire. Mais oh non, Lucas veut un selfie lui aussi. Oh là là, on dirait que Lucas veut aussi des taches de rousseur pour être aussi beau que sa sœur. Oh, des épingles à cheveux. Et maman sait exactement quoi faire. Que va faire maman? Ah, elle les trempe dans l'ombre à paupières marron. Cool, elle utilise l'épingle à cheveux pour faire la forme des taches de rousseur. Ça marche, on dirait des taches de rousseur. Super, Lucas maintenant est comme sa sœur. Lui et Layla sont tous les deux trop beaux. Super mouvement de danse, les gars. Mais attends une seconde, maman veut aussi des taches de rousseur. Oh waouh, tu les portes bien, maman. Elles te vont bien, toi aussi. Venez, on va faire un selfie. 1, 2, 3, cheese. Quelle belle famille de taches de rousseur. On dirait que Layla dessine quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Cool, elle utilise un stylo 3D. Et maman est occupée à se peindre les ongles. Ne sont-ils pas magnifiques, Layla? Oh, mes ongles sont si nuls. Je veux mettre de la couleur dessus. Pauvre Layla, elle mérite aussi un joli vernis à ongles. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Oh, on dirait qu'elle prépare quelque chose. Elle prend quelque chose dans un bol, un trombone. Oh, elle les a tous utilisés pour faire ses ongles. C'est trop cool, Layla. J'adore mes nouveaux ongles. Ils sont si longs et si brillants. Je suis si jolie avec eux. C'est bien, Layla. Mais, oh non, on n'a plus de trombone. Maman en a besoin pour sa paperasse. Oh, je crois que quelqu'un a des problèmes. Ah, oh, ces trombones sont trop serrés sur mes ongles. Oh mon Dieu, Layla, pourquoi tu portes ces trombones? Ils vont seulement te faire mal aux doigts. Parce que je veux des jolis ongles comme les tiens. Oh, maman a compris maintenant. C'est vrai, hein? Pauvre Layla. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que nous pourrions utiliser pour faire des ongles. Eh oui, le stylo 3D. Je sais ce qu'on peut faire. Bien sûr, on peut faire n'importe quoi avec. Il suffit de dessiner un ongle de ta taille et de remplir de colle. Maintenant, appuie dessus avec une paille pour qu'il soit courbé. Et voilà, c'est fait! Génial! Et si joli! Maman a utilisé le stylo 3D pour créer des ongles verts pour Layla. Tout comme ceux de sa maman. Waouh, ils sont trop beaux! Merci pour mes ongles, maman! C'est une jolie couleur que tu as là, Layla. Attends. Quoi? Cette fille a les cheveux bleus? Waouh! Je veux avoir ses cheveux comme ça, moi aussi! Mes cheveux sont tellement ennuyeux! On dirait que Layla a une idée. Oh, le stylo violet. Layla, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas utiliser un stylo pour colorer tes cheveux. Mais Layla veut seulement avoir des cheveux comme la fille du magazine. S'il te plaît, maman, je suis triste de ne pas avoir des cheveux comme les siens, j'en veux aussi. Oh, je sais. On va utiliser ce stylo avec du sérum. On fera ta teinture pour les cheveux avec ça. C'est parti! D'abord, maman a besoin d'un bol pour verser le sérum. Oh, et elle presse l'encre du stylo violet pour la mélanger au sérum. Mélange, mélange, mélange. Et voilà! On a fait une teinture pour les cheveux. Bon travail, maman! Allons-y, Layla! On va commencer à teindre tes cheveux. Il suffit de le répartir uniformément sur les cheveux. Voilà. On masse doucement pour faire pénétrer le produit. Et ensuite, maman enroule du papier d'aluminium autour des cheveux pour laisser la teinture pénétrer. Parfait! Waouh, les couleurs sont si vives! Les cheveux d'Anna sont si beaux! Merci, maman, je me sens comme une jolie princesse! Tu en as vraiment l'air, Layla. Tu déchires avec ces mèches. Vite, va t'habiller! On doit partir bientôt! Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je dois emballer ta nourriture rapidement. Oh, ces sandwichs ont l'air délicieux. Il semble que Layla ait besoin d'aide. Ah oui, c'est vrai. Viens, on va t'enlever ça. Papa semble paniquer. Papa, j'ai besoin de me faire coiffer. Oh, tes cheveux. Oh mon Dieu, les cheveux de Layla sont tout hérissés. Comment papa va-t-il arranger ça? On va brosser ça et...
Oh, c'est impossible. Oh, attends, on peut utiliser cette fourchette comme une brosse. Non. Ok, que dis-tu de ça? Quoi, papa? Tu peux pas me couper les cheveux? Pas question. Hein? Oh, oh. Alors, comment on va réparer ça? Nous n'avons que ce papier d'aluminium et... Ouh! On dirait que papa a une idée. Du papier alu et une brosse? Voyons ce qu'on peut faire. C'est parti! Papa a coupé une partie du papier d'aluminium et l'a plié en deux. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Oh, il enroule le papier d'aluminium autour du manche de la brosse à cheveux. Voilà, ça a l'air bien! Il est temps de l'essayer sur les cheveux d'Anna. Brosse ici... Et là... Et waouh, ils sont tout lisses! Et c'est l'heure de partir! Dépêche-toi, papa, et finis ton café! Layla va être en retard à l'école! Ok, on y va! Oh non, regarde les cernes de Lucas! Il est tellement accro aux jeux vidéo! Ah oh, maman arrive! Il doit faire semblant de lire! Réflexion rapide, Lucas! Salut, maman! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Oh non, maman a trouvé les jeux vidéo de Lucas! Elle est furieuse! Lucas ne devrait pas rester debout si tard! Oh non! Demain, c'est le jour de la photo! Et les yeux de Lucas? Il va avoir l'air d'une loque sur la photo! On dirait que maman a une idée! Un sachet de thé? Que va-t-elle faire avec ça? On va le découvrir! Oh! Elle met des sachets de thé sur les poches de Lucas! Je me demande ce qui va se passer! Maintenant, on attend que ça se calme et on le laisse s'endormir! Ouh là là, ça a marché! Lucas, tu n'as plus de poche sous les yeux! Tu as l'air frais! Yeah! Hourra! C'est l'heure de se lever! Lucas est prêt pour la journée de la photo! Où est Layla? Ils doivent partir, là! Layla, j'ai ton sac et ta chemise ici! Oh, elle est là! Layla, on doit y aller! Oui, papa? Oh là là! J'ai eu peur! Layla, qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Tu ne devrais pas jouer avec le maquillage de maman! Pas question! On doit arranger ça! Mais comment on va l'enlever? Pauvre Layla, elle voulait juste être jolie! Attends, papa sait comment arranger ça! Un mouchoir en papier! Voilà! Ok, on va essuyer! Oh mon Dieu, c'est beaucoup de rouge à lèvres! Hein? Pourquoi ça s'enlève pas? C'est si dur! Oh, peut-être que je peux utiliser de la salive sur mon pouce pour l'essuyer! Non, papa! Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? De la vaseline? C'est la solution parfaite! Bien pensé, papa! Waouh, ça a l'air cool! Papa a pris un morceau avec son doigt. C'est beaucoup quand même! Et il l'utilise pour étaler le mélange sur le visage de Layla. Est-ce que ça va marcher? On va voir ça. Ouais, ça a marché! Le visage de Layla est tout propre et frais maintenant! Bon travail, papa! Très bien, il est temps pour Layla de s'habiller. Ils sont en retard pour la fête. Au revoir, papa et Layla. Quel tatouage devrais-je avoir? Waouh, ce dessin est parfait pour moi. Peut-être que je devrais le mettre sur mon poignet. Je vais le faire. Oh, c'est quoi ça? Oh non, maman l'a vu! C'est l'argent qu'Anna économise pour ses tatouages! C'est pas possible! Je suis tellement excitée, j'arrive pas à décider lequel est le plus beau! Cette forme de cœur? Anna, pourquoi il y a un pot d'argent pour des tatouages? Maman, je... Il n'y a pas moyen que je te laisse faire un tatouage! Tu ne peux pas me contrôler, maman! Et si on faisait ça? Commence par économiser pour acheter des livres! Non, je veux pas de livres, je veux un tatouage! Oups, Anna fait une crise de colère! Oh non, toutes ces paillettes sont tombées sur le sol! Regarde ce que t'as fait, Anna! Parce que tu ne veux pas me laisser avoir de tatouage! Attends une minute. C'est ça le tatouage que tu veux? Maman peut les faire pour Anna. Maman a des ciseaux pour découper la forme du cœur. Attention, c'est pointu! Maintenant, elle a un bâton de colle. Elle met la colle sur le bras d'Anna pour que le tatouage tienne. C'est très intelligent, maman! Je me demande ce qu'il y a après. Les paillettes! Elle a versé des paillettes sur la découpe pour former un cœur. Quel génie! C'est génial, c'est un tatouage en paillettes! Anna n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour un tatouage quand elle peut avoir ça! C'est tellement beau! Anna est amoureuse de son tatouage! Bon travail, maman!